îles, une ville, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, et qu'on en Curitiba. Pardon, à vous, Francis Linel. Il est quelque part sur une île, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, mais qu'on a Curitiba. D'un consul j'y fis connaissance, ce n'était pas le consul de France, mais pour un consul quelle chance d'habiter ce pays-là. Parmi les touillas et les magnolias, il a une maison avec véranda. Il a des jardins pleins de réséda, monsieur le consul à Curitiba. Quand il veut sortir, il trouve à deux pas le décor si beau qu'offre la pampa, les cactus géants et les catalpas, monsieur le consul à Curitiba. Sa jolie servante s'appelle Maria. Ça, elle sait divinement faire le chocolat. Il aime prendre au lit comme un vrai pacha, monsieur le consul à Curitiba. Là-bas c'est aussi le pays de la samba. On pourrait l'envier rien que pour cela, mais il ne bouge guère à cause du climat, monsieur le consul à Curitiba. Comme les autres, il ne se fatigue pas. Il boit son café et fume son tabac. Follement étendu sur un bon sofa, monsieur le consul à Curitiba. Et pour se remonter, quand il se sent là, il a sous la main la belle Manola. Là-dessus vaut peut-être mieux que je n'insiste pas, mais quel venila cet animal-là, monsieur le consul à Curitiba, monsieur le consul.